Direction la Côte d'Ivoire, dialogue politique, voici ce qui se passera avec l'opposition ce lundi. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Le dialogue entre le gouvernement et l'ensemble de l'opposition ivoirienne se précise. Comme annoncé par le chef de l'État ivoirien, lors de son investiture le 14 décembre dernier, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, sur instruction d'Alassane Dramane Ouattara, procédera le lundi 21 décembre 2020 à son cabinet à 10h à la reprise des discussions avec l'opposition. Une action qui pourra certainement décrisper la situation sociopolitique ivoirienne. Selon Kouassi, ce dialogue intervient pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la commission électorale indépendante en vue de la tenue des élections législatives repoussées au premier trimestre 2021. Par ailleurs, ce média numérique ajoute que cette rencontre ne se fera pas sous l'égide du nouveau ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin du KKB, dont la nomination fait polémique. Toutefois, l'on est tenté de savoir si le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCIRDA, s'associera à cette nouvelle session de dialogue politique. Ce parti leader de l'opposition, dont certains cadres et militants, sont toujours en prison.